Nous sommes aujourd'hui à Clairac, dans le Lot-et-Garonne, pour un entretien avec l'écrivain de l'imaginaire Pierre Bordage, en partenariat avec le laboratoire CLAR et le pôle audiovisuel de l'Université Bordeaux-Montaigne, ainsi que le laboratoire Praxilingue de l'Université Paul-Valéry Montpellier III, CNRS. Pierre, que représente aujourd'hui le village de Clairac pour vous ? Pourquoi avoir quitté votre Vendée natale ? Alors, le village de Clairac, en tant que lui-même, ne représente absolument rien. Je suis venu ici parce que je voulais changer d'air. J'habitais une maison dans la région de Nantes qui était très grande pour moi, qui faisait 360 mètres carrés pour un homme seul, ce qui était un peu ridicule. Et comme ma femme n'était plus là, j'ai eu envie de changer d'air et puis j'ai songé à m'installer au bord de l'océan. J'ai cherché une maison à louer en attendant de vendre cette maison que je n'arrivais pas à vendre. Et puis j'ai regardé sur internet, je n'étais pas trouvé. Et puis à un moment, j'ai un ami qui habite Marmande et j'étais venu plusieurs fois à Marmande le voir, je me suis dit tiens, je vais regarder dans sa région. Et puis je suis tombé sur cette maison sur internet. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à l'agence. On a pris rendez-vous pour le lendemain, j'ai fait mes 4 heures de voiture à toute vitesse là pour venir visiter la maison. J'avais pris aussi des rendez-vous pour d'autres maisons et toutes les autres maisons c'était non, 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 non. Et quand c'est arrivé celle-là, dès que je suis arrivé, ça correspondait exactement à ce que j'avais vu sur internet, j'ai dit ouais c'est là que je veux être. Parce que ce que je cherchais c'était la solitude et ici c'est complètement isolé. Je cherchais une nouvelle expérience de vie, la maison me paraissait accueillante, sympa, avec très lumineuse et tout ça. Et donc je me dis voilà, je saute le pas et je viens ici. Et c'est pour ça que j'ai quitté la Vendée. La Vendée, en fait, je l'ai quitté souvent. J'y ai pas habité très longtemps finalement parce que jusqu'à 18 ans chez mes parents. Puis après, j'étais plutôt du côté de Nantes, qui était la ville universitaire de ma région. Après, j'ai beaucoup bougé. Je suis allé à Paris, en région parisienne. Je suis allé dans le Gers. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé en Dordogne. Je suis allé un peu partout. Pour finir à Bousset, qui était à 300 mètres de la Vendée. Attention, hein. 300 mètres de la Vendée quand même. Tu n'étais pas en Vendée, mais il fallait passer un pont pour aller en Vendée. Mais qui était très vendéen d'ailleurs d'ambiance, d'ailleurs comme village, un peu lourd quoi. Ça ne me pose aucun problème de partir ici parce que j'avais vraiment envie de changement et que je pensais que ça pouvait relancer quelque chose. J'avais comme cette solitude, je cherchais cette solitude parce que j'avais besoin de me retrouver face à moi-même tout simplement. Et changer mes repères pour relancer le processus de l'écriture, ce qui a bien fonctionné d'ailleurs. Oui. Mais vous n'avez pas beaucoup de problèmes pour relancer le fonctionnement de l'écriture. Ouais. Enfin, ça c'est un petit peu compliqué comme question parce que quand j'écris mon premier roman qui s'appelle Les Guerres du Silence, et c'était à l'âge de 30 ans, j'ai eu comme une jubilation, un jaillissement de source qui était spontané. D'ailleurs, j'ai écrit le roman sur un cahier quasiment sans rature. D'ailleurs, le cahier qu'on peut trouver à la BNP, à la Banque Nationale de France, BNF, pas BNP, ah, c'est mais oui, la BNF. Donc à la BNF, mon manuscrit originel, il est exposé à la BNF, et il n'y a quasiment pas de rature, donc il y avait une sorte de jaillissement spontané, naturel, et une écriture un peu au galop comme ça, que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver par la suite, parce qu'il y a des choses qui s'installent entre le jaillissement de source primordiale et puis... Et puis le métier qui s'installe, c'est-à-dire un regard de plus en plus aigu sur l'écriture, on perd peu à peu le jaillissement de source pour que ça devienne un métier. Donc il y a des habitudes qui s'installent, et ces habitudes-là, ça corsette un peu l'écriture. Quoi. Donc j'avais besoin de retrouver cette espèce de jaillissement, et je me suis dit qu'un nouveau départ allait me permettre de retrouver ce jaillissement, ce qui a été relativement le cas quand même. Et justement, Pierre, comment choisissez-vous vos sujets ? Alors, j'ai envie de dire, et je vais le dire et parce que j'en ai envie, ce n'est pas moi qui choisis les sujets, mais ce sont les sujets qui me choisissent. C'est-à-dire que les sujets s'imposent à moi à un moment, et ça, là je vais prendre une métaphore sexuelle, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fécondation qui se fait pas. Un sujet arrive, et soit il est fécondé, s'il est fécondé, il va grossir à l'intérieur de moi, il va vouloir sortir comme un enfant, tout simplement. À un moment, il va falloir l'expulser, et l'expulsion, ça va se faire par l'écriture. Ou bien, il n'est pas fécondé, il va s'éliminer de lui-même. Quoi. Donc, après, les sujets, ça vient de n'importe quelle influence, enfin,
ou émissions que j'écoute, ou films que je regarde, ou livres que j'écris, ça peut m'inspirer un sujet à tout moment, ou promenade que je fais, ou discussion avec un ami. Enfin, parfois, je lis un bouquin et je me dis « Ah, ça, ça ferait un super sujet ». Alors, je vais prendre par exemple le siècle biotech de Jeremy Rifkin, qui était un livre sur la biotechnologie, sur les dérives de la biotechnologie, et je me suis dit, il y avait un chapitre sur la chimère, c'est-à-dire créer des animaux chimériques. Et ça m'a inspiré tout de suite les fables de l'impur, c'est-à-dire, oui, si on allait jusqu'au bout de cette idée de créer des chimères, et est-ce que ces chimères ne chercheraient pas à prendre la place de ceux qui les ont créées? Et donc, ça devient, l'humain disparaît au profit des chimères. Et donc, j'ai écrit tout le livre, c'est bâti sur cette idée-là, simplement. Or, et ça, c'est étonnant, parce que l'autre jour, j'ai un lecteur qui me dit, vous devriez regarder cet article-là. Et je suis allé voir l'article dont il me parlait, et c'était la première tentative de mélange de gènes entre hommes et cochons. Et par ailleurs, il y a des sujets que j'ai gardés très longtemps en moi, des années et des années, qui sont sortis très, une maturation tardive, et qui ont fini par sortir. Et puis aussi des sujets qui me viennent spontanément et que je fais presque immédiatement parce qu'il y a une sorte d'urgence. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'ange de l'abîme, où c'est les attentats du 11 septembre 2001 qui m'ont inspiré le sujet. Et c'était presque direct, en prise directe avec la réalité. Alors, quand vous parlez justement d'actualité, ce qui est intéressant, et moi, ce qui m'avait frappé dans le cycle de Wang, donc, qui a été écrit il y a quasiment une quinzaine d'années, je crois. 21 ans. C'est un sujet qui anticipe, mais de façon extraordinairement réaliste, les problèmes de l'immigration, l'évolution de l'Europe. Ouais. Donc, moi, je voudrais savoir comment, finalement, vous construisez ces visions d'anticipation par rapport au présent. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on n'avait pas du tout le même contexte géopolitique. Oui, d'ailleurs, c'était marrant parce que quand j'ai publié Wang, les gens m'ont dit « Mais ce que tu fais, c'est n'importe quoi, d'établir un mur entre les pays occidentaux et le reste du monde, c'est fini, on vient d'abattre le mur de Berlin. » Et il se trouve que les murs, ils repoussent à notre époque. Hein. Oui. En tout cas, il y a des volontés de recréer des murs. Des frontières, etc. Après, moi, c'est simplement une réflexion sur le rapport Nord-Sud, Occident, reste du monde, richesse, pauvreté. J'avais l'impression que c'était un mécanisme qui se répétait de façon presque indéfinie. Je vais reprendre la phrase de Krishnamurti qui dit, Krishnamurti, donc Jiddu Krishnamurti, philosophe indien, qui dit que la pensée crée du temps et donc des mécanismes qui se répètent en permanence. Et c'est simplement, je pense que s'il y a une résonance dans l'actualité, c'est parce que ce sont des mécanismes qui se sont remis en place et qui nous conduisent à oublier ce qui s'est passé dans l'histoire. On voit les élections actuelles, ce que ça donne. Les gens sont tentés par le repli sur soi parce qu'apparemment, il y a des peurs qui se créent, des peurs qui sont d'ailleurs exploitées par une certaine classe dirigeante. Pour aboutir à leur propre fin, c'est-à-dire des élections, etc., à se faire élire, etc. Donc, il n'y a pas de prophétie, je pense, ou même de futurologie dans un roman de science-fiction, d'anticipation. Il y a des mécanismes qu'on reprend et qu'on amplifie quand on observe le présent, c'est vraiment le rôle de l'anticipation. L'anticipation, c'est un peu prendre du recul par rapport au présent, par la projection de l'espace-temps, hein, c'est-à-dire souvent j'emploie l'exemple d'une fourmilière. Lorsque vous êtes à l'intérieur de la fourmilière, vous ne voyez pas les mouvements de fond. Maintenant, vous montez sur la butte et vous regardez la fourmilière, et d'un seul coup, vous allez voir tous les mouvements d'ensemble. Je pense qu'un auteur de SF, d'anticipation principalement, monte sur la butte et regarde un peu son monde, et donc ça fait un effet loop immédiat, c'est-à-dire qu'il voit tout de suite les mouvements de fond qui agitent son monde. Et donc il les restitue par le roman. Et souvent, ça correspond à la réalité. Alors, moi, j'ai deux grands exemples. Là, c'est évidemment Le Meilleur des Mondes et 1984. Le Meilleur des Mondes, c'est sur la biotechnologie dans les années 30. Et donc, c'est bien un thème qui est très actuel maintenant, la biotechnologie, où il va falloir qu'on fasse des choix très, très importants pour notre avenir et pour une forme d'éthique. Et puis, 1984, c'est sur la surveillance globale. Ça ne s'est peut-être pas passé comme l'avait décrit Orwell, parce que la surveillance globale s'effectue avec un Big Brother dans 1984. La surveillance globale, c'est diluer, diffuser tous les appareils qu'on porte sur soi, hein, c'est-à-dire les cartes bancaires, les téléphones, les ordinateurs, etc. Donc il y a une sorte de grand filet de surveillance globale qui se met en place, qui sert certains intérêts, quoi.
Mais dans l'Ange de l'Abîme, par exemple, puisqu'on va revenir peut-être à l'actualité de la France, on a quand même une France qui est partagée entre un gouvernement d'extrême droite, qui va remettre en place un certain nombre de valeurs très conservatrices. Oui, l'avortement, etc. Voilà, et puis également donc une France qui est minée par des attentats terroristes islamistes. Et donc on a ce... Enfin, je veux dire, là, on a cet effet loupe qui apparaît comme extrêmement juste. Ouais, ça fait même peur des fois, mais je reparle des événements du 11 septembre 2001. D'ailleurs, c'est assez marrant, enfin pas marrant, étonnant. Quand j'ai écrit l'Évangile du serpent, le livre est paru en août 2001, c'est-à-dire un mois avant les attentats. Dans l'Évangile du serpent, il y a un attentat islamiste qui se passe à Disney en France. Bizarrement, il y a eu le 11 septembre et toutes les pages culturelles de certains magazines ont sauté et toutes les critiques qui devaient avoir être faites sur l'Évangile du serpent ont sauté elles aussi. Donc le livre a été victime d'une sorte de réalité qu'il avait annoncée, quoi. Et c'est assez étonnant. Mais ce déséquilibre, pour moi, ce n'était pas du tout étonnant, les attentats du 11 septembre, parce que le déséquilibre mondial est tellement fort et évident qu'il allait forcément avoir des événements de ce genre. Déjà annoncé en 1991 par Samuel Huntington dans Le choc des civilisations. Le choc des civilisations, oui. Mais lui, avec des intérêts peut-être différents. Oui. Ouais. Finalement, quel sous-genre science-fictionnel a votre préférence? C'est une très bonne question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Ce qui se passe, c'est que j'adore le space opéra. Je suis arrivé par le space opéra, mon premier livre est un space opéra. Mes grandes influences sont du space opéra, c'est Dune, quoique Dune soit plutôt un planète opéra, mais bon, c'est un peu le genre quand même de vaisseau, etc. Ça a été Fondation, enfin, etc. Ces grands cycles de space opéra. J'adore le space opéra parce que c'est une invitation à un merveilleux voyage. Un voyage extraordinaire au sens de Jules Verne. Hein, donc, c'est le dépaysement, c'est pour moi le vrai genre d'émerveillement de la science-fiction. C'est le genre où plus être émerveillé en science-fiction, c'est le space opéra. Donc j'adore ça, j'adore être émerveillé, j'adore partir loin, j'adore les vaisseaux, les voyages, enfin tout ça, les nouvelles faunes, les nouvelles flores, les planètes, les gravités, et tout le bazar, et tout ça. Mais il se trouve que quand je suis dans l'espace, comme ça, j'ai envie de revenir sur Terre. Parce qu'à un moment, je me dis, oula, je suis loin de la Terre, j'ai envie de revenir sur Terre. Donc à ce moment-là, je fais une anticipation. Souvent, c'est alterné. Il y a une alternance entre le space opéra et l'anticipation. C'est alterné, ouais. Et donc, après, je suis sur Terre, je fais mon truc, j'ai fait Wang. Après, les gars de science, c'était Wang sur Terre. Je dis, oh, finalement, je repars dans l'espace, je suis vachement plus libre dans l'espace, etc. Et ça a souvent marché comme ça. C'est-à-dire, à un moment, je partais dans l'espace, à un moment, je revenais sur Terre. Puis je me suis rendu compte que l'écriture d'anticipation avait une autre vertu que l'espèce opéra. J'assimile, mais peut-être à tort, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Enfin, moi, spontanément, l'espèce opéra a des aventures héroïques qui tolèrent très mal le jeu avec l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut adopter, pour l'espèce opéra, à mon avis, hein, maintenant il y a des auteurs qui sont complètement différents là-dessus, une écriture assez classique finalement, parce qu'on ne peut pas rajouter de l'étrange à de l'étrange, et que la forme du récit classique, voire mythologique, correspond parfaitement au space opéra. Pour moi, ce sont des aventures mythologiques dont le terrain de jeu ne se situe pas dans la Méditerranée, mais dans l'espace. Tandis que dans l'anticipation, où on est dans des notions connues, on est sur des terrains connus, hein, quand on parle de Russie, on sait ce que c'est, ou des États-Unis, on sait ce que c'est, on n'a pas cette obligation, je pense, de créer un effet de réel en permanence. En gros, en space opéra, si vous créez des effets de réel et puis par des jeux d'écriture, parce que ça vous amuse de faire des trucs sur l'écriture, vous sortez de l'effet de réel, alors vous allez perdre le lecteur. C'est moi qui dis ça, hein, j'en sais rien. Il n'y a pas de lecteurs qui sont venus me dire « je suis perdu, est-ce que vous pouvez me montrer le chemin ?» Mais il me semble que voilà, il y a moins de jeux avec l'écriture dans le space opéra, parce qu'on est dans des récits beaucoup plus classiques de type mythologique. Dans l'anticipation, comme on est sur des territoires relativement connus, on peut se permettre des jeux avec l'écriture. Donc pour moi, l'anticipation, ça a été un grand laboratoire d'écriture. Ça m'a permis d'essayer des choses, par exemple l'Ange de l'Abîme dont on parlait tout à l'heure, ou l'Évangile du Serpent m'ont permis des choses en écriture que je ne pouvais pas me permettre dans le space opéra. Donc j'ai des grands cycles comme ça, purement imaginaires, où j'ai une corsette l'écriture de façon à ne jamais ébranler la construction imaginaire, et dans les cycles où la construction imaginaire ne peut pas être ébranlée parce qu'on est sur Terre,
Alors je m'autorise plus de liberté avec l'écriture. Pierre, quel est votre rapport à l'histoire, à votre environnement, à une région donnée? Ouais. Alors j'ai un excellent rapport avec l'histoire. Je veux dire, c'était ma matière préférée à l'école. C'est là où j'ai eu des prix en général, c'était en histoire, parce que ça m'a toujours fasciné l'histoire. Parce que quelque part, ça encourageait mon imaginaire. Quand on l'Antiquité, le Moyen-Âge, pour moi, c'était un truc un peu merveilleux, quoi. C'était un truc qui était loin. Il y a des gens qui avaient vécu ça, et on est obligé de compenser tous les trous de l'histoire par l'imaginaire. Et donc, j'ai dessiné énormément sur mes cahiers d'histoire. Il y avait toujours plein de dessins partout, avec des forts, des châteaux forts, je veux dire, avec des sièges et tout ça. Il y avait des soldats. Enfin, j'adorais ça, l'histoire. Donc, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Et c'est dans l'histoire que j'ai vu que les mécanismes se répétaient en permanence, quoi. C'est-à-dire qu'on commettait toujours les mêmes erreurs parce qu'on n'était pas capable de sortir de ces mécanismes de pensée. Donc, j'ai eu ce bon rapport à l'histoire. Qui permet d'ailleurs, je pense qu'il donne une rigueur à l'imaginaire parce que l'histoire, ce sont des archives existantes. J'ai bossé l'Enjeu mineur, hein, l'Enjeu mineur qui est un cycle qui se passe pendant la Révolution française. Et donc là, il y avait une recherche historique qui était très très importante. J'étais plusieurs mois sans faire autre chose que consulter les archives, regarder un peu tous les éléments, lire des bouquins, enfin des historiens. D'ailleurs, je me suis rendu compte que l'historien n'était jamais d'accord. Je dis, c'est pas une science exacte. Hein. Donc, on est bien obligé de compenser par l'imaginaire. Et donc, cette rigueur-là, qui est l'archive, fait que quand on est auteur d'anticipation, quand on se projette dans le futur, ou même space opera, c'est-à-dire dans l'espace lointain, il faut créer des archives du futur parce qu'elles n'existent pas. Donc, si on veut crédibiliser son récit, il faut avoir comme des extraits d'encyclopédies, de dictionnaires, d'archives inventées qui constitue un véritable travail d'historien du futur. En fait, un auteur d'anticipation, c'est un historien du futur. Il y a l'historien du passé, l'historien du futur. Et donc forcément, par rapport à la région, c'est sûr que je parle d'un enjeu mineur, donc ça traite de la Vendée, qui m'est très cher, parce que l'environnement est forcément important pour un auteur. Je pense qu'on est formé aussi par son environnement, comme une éponge qui reçoit plein de choses de son environnement. Et je suis né dans une ferme, hein. Je suis fils de paysan vendéen. Et je voyais que dans la Vendée, il y avait une sorte de traumatisme dans l'air. Et je me demandais d'où ça sortait. Donc je me suis un peu intéressé à tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte que oui, pendant la Révolution, la Vendée avait été un pays un peu martyrisé pour X raisons, souvent très mauvaises de la part des historiens officiels. Hein, c'est-à-dire que c'était juste des brigands illettrés qui défiaient la liberté, égalité, fraternité du nouveau régime. C'est une vision de l'histoire qui vient peut-être de certains choix qu'a effectué la Troisième République. Absolument, absolument. C'est toute l'histoire qui était à la gloire de la République. Ok, pas de problème. Mais dans le pays, moi, je sentais que ça avait laissé un traumatisme. Et je me suis dit, un jour, j'irai voir dans cette histoire. Et quand je suis allé dans cette histoire-là, donc j'ai parlé patois jusqu'à l'âge de 10 ans, hein, patois vendéen, j'ai appris le français à l'école, hein, comme tout immigré normal. je me suis rendu compte que finalement, de l'histoire, je ne connaissais rien. Tout ce qui était officiel dans l'histoire et tout ce que j'avais appris à l'école, c'était rien. C'était juste quelques lignes hagiographiques sur la République, etc. Il fallait pas toucher cette vache sacrée qui était la Révolution. Et qu'on avait minoré complètement toutes les répressions qui avaient eu lieu pendant la Révolution. Et il y en a eu partout, hein. Il n'y en a pas eu qu'en Vendée, il y en a eu dans le Sud, il y en a eu en Bretagne aussi. Voilà. Et puis il y en a eu dans tous les départements où il y avait une guillotine qui de temps en temps devait te transférer d'un département à l'autre s'il y en avait pas assez. J'ai appris l'histoire de la guillotine par exemple. Tous ces trucs-là, quoi. Et après, je suis rentré dans l'histoire en essayant d'être le plus neutre possible entre les jacobins, les historiens jacobins, les historiens royalistes, qui sont totalement irréconciliables. Donc je me suis installé au milieu, comme Bouddha, la voie du juste milieu, n'est-ce pas? Et puis je me suis rendu compte que les horreurs, elles avaient existé, les horreurs, elles étaient monstrueuses, que la Révolution avait été un laboratoire, alors je parle des mécanismes, hein, donc un laboratoire d'horreur, d'idéologie et d'horreur, qui s'est reproduit au XXe siècle à grande échelle avec le communisme, le nazisme et ce genre de isme, de mouvement en isme, que finalement, et puis j'ai lu la Ferme des animaux d'Orwell et je me suis dit, oui, finalement, il décrit, mais de façon implacable, le mécanisme d'une révolution, c'est-à-dire que les anciens oppressés deviennent des oppresseurs à leur tour, etc., et souvent propose quelque chose de pire que ce qui existait.
Donc tout ça, ça m'a formé. Le fait d'être aussi probablement un écrivain de science-fiction du terroir, comme Simac, qui faisait partie de ces catégories-là, comme Michel Jury, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans le terroir et qui accordent de l'importance au terroir, finalement. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup de références paysannes dans mes bouquins de science-fiction. Hein. Il y a des communautés agricoles qui se créent sur une nouvelle planète, etc. Donc ça m'a toujours intéressé parce que ça me paraît indispensable, parce que c'est le point de départ d'une civilisation, c'est la nourriture. Quakers, par exemple, dans Absalon. Oui, des sortes de Quakers dans Absalon, qui sont les cropped, etc. Ouais. Donc oui, j'étais influencé par tout ça, par mon enfance, par ma région. C'était quoi l'autre truc d'influence ? Environnement, rapport l'environnement, à l'histoire, mais, région d'Audi. Je suis un rural, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis installé dans la ruralité, parce que j'ai du mal maintenant à vivre en ville. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai vécu un peu à Paris, mais maintenant, je ne pourrais plus. Les grandes villes ne m'intéressent plus. Pierre Bordage, écrivain de la science-fiction du terroir. Ouais. Alors, une question peut-être plus spécifique par rapport... Je vais finir juste pour préciser que la plupart des auteurs de SF que je connais sont des gens de vie des citadins. Oui. C'est un mouvement très urbain, finalement, la science-fiction. Oui. Peut-être la fantasy est plus campagnarde, mais la science-fiction est très urbaine. Et on est quelques auteurs différents, venant un peu de la... qui ont des préoccupations un peu différentes des auteurs urbains. Alors, savoir après. Des forts urbains, on dit d'ailleurs. Savoir. Moi, je pensais aussi à Pierre Pelot. Pierre Pelot, bien sûr, fait partie. Oui. J'avais oublié Pierre, mais effectivement, c'est le Vosgien, bien solide, bien ancré dans son. Non, il y a quand même de grandes figures de la science-fiction qui viennent de la ruralité. De la ruralité, oui, absolument. De la province, mais de la ruralité. On n'est pas la majorité. Non. On n'est pas la majorité. De la même façon qu'on n'est pas la majorité d'auteurs qui viennent par le monde des lettres. La plupart viennent par du monde scientifique ou informatique. Je parle de SF, hein, je ne parle pas de la fantasy. Quand je discute avec mes confrères, il y en a très peu qui aient suivi des études de lettres comme moi. Je suis très fier d'avoir fait des études de lettres. Comment est-ce que vous préparez l'écriture d'un roman ? Je ne prépare pas. Parce qu'on a l'impression que c'est très structuré, Pierre, ce que vous écrivez. Non, je ne suis absolument pas structurant, pas du tout. D'ailleurs, ça m'agace énormément quand... Alors, j'ai commencé par être un pur scripturant, c'est-à-dire partir avec l'écriture en partant avec deux ou trois personnages, une idée globale, et puis on part à l'abordage, si je puis me permettre cet affreux jeu de mots. on part à l'aventure, on va dire, avec mes personnages. Je me coule dans les personnages, moi, les personnages sont mes vaisseaux à moi, et donc je découvre l'univers par les yeux, par les sens du personnage, etc. Et j'adore ça. J'adore être surpris par ce qui se passe dans le roman. Si un personnage meurt, ça me surprend, mais c'est OK, il a le droit. Ils ont une certaine autonomie, mes personnages. Je les découvre. Certains n'ont aucune importance au début du récit, ils en prennent au fur et à mesure. Enfin, bon, voilà. Je laisse énormément les choses vivre et se faire. Ce que les Québécois appellent un jardinier. Alors que l'autre style, l'autre race d'auteurs s'appelle les architectes ou les structurants, qui ont besoin, eux, d'une structure préétablie très précise pour pouvoir avancer dans l'écriture. Donc, en gros, quand je fais un space opéra, et là, je ne blague pas, j'ai zéro préparation. Je pars avec le personnage. D'ailleurs, je passe souvent un peu de temps à trouver les mots, les noms des personnages, les noms des planètes, etc., parce que je n'ai aucune idée. Et donc, ça se fait au fur et à mesure. Donc, vous ne faites pas des listes de personnages? Ah non, mais ça m'a valu. En termes d'onomastique, vous inventez au fur et à mesure l'attente des personnages. Ouais. Ben, le nomastique, ça, c'est passionnant. La création de mots, c'est passionnant. Mais ça se fait au fur et à mesure. Mais moi, j'ai envie de creuser un petit peu quand même cette idée, parce qu'on a l'impression, Pierre, d'après ce que vous dites, qu'en fait, vous suivez vos personnages. Mais comment c'est possible, ça, un créateur? Je veux dire, comme un marionnettiste. Donc, ça voudrait dire que, en fait, votre personnage est en vous et parle en vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça quand même ? Alors, je ne suis pas. Ça y est, je suis démasqué. Tant pis. Je ne suis pas un créateur, je suis un passeur. Voilà, je ne me considère pas comme un créateur. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de dominer ou de dompter mes univers ou d'imposer quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est traversé par des histoires, par des personnages et qui les sort. Mon vrai boulot, finalement, c'est d'être écrivain. C'est-à-dire. C'est celui qui reçoit les personnages ou les histoires et qui doit les transformer en écriture.
c'est une sorte de travail matériel, parce que l'écriture, c'est extrêmement matériel, finalement. C'est mettre de l'infiniment fluide en mots, en espace-temps très, très dense et très refermé. Et donc, mon boulot à moi, c'est d'accueillir tout ce qui se passe par l'écriture, donc d'essayer d'être le meilleur écrivain possible, dans le sens où ces personnages ont une histoire à me raconter, et moi, mon boulot, c'est de la raconter à des lecteurs, et donc d'être le plus clair et le plus agréable possible pour mes lecteurs. Voilà, ça, c'est mon vrai boulot. J'ai l'impression que c'est ça, mon boulot. Alors, justement, dans... Ceci dit, et pour ajouter, excusez-moi, mais pour ajouter, c'est qu'on est quand même nourri. Enfin, les personnages sont aussi nourris du sang de l'auteur, de la personnalité de l'auteur. Et donc, il y a forcément des choses de l'auteur qui se retrouvent là-dedans. Alors, donc, c'est une sorte de symbiose entre les personnages qui traversent, et ils me traversent moi. Bon, il y a certainement une raison qu'ils ne traversent pas quelqu'un d'autre, parce qu'ils traversaient quelqu'un d'autre, ils seraient probablement différents. Le vrai travail, c'est l'écriture, tout en sachant que cette écriture, elle est nourrie par ce que je suis, profondément. Et est-ce que vous pensez justement que l'écrivain de science-fiction aujourd'hui a une sorte de, un rôle de lanceur d'alerte par rapport à certaines situations, est-ce que c'est peut-être trop fort de dire ça? Ouais, j'ai envie de dire que ça concerne surtout un sous-genre de science-fiction qui est l'anticipation. Le post-apocalyptique est quand même une anticipation qui tourne très très mal. Bon, souvent les anticipations sont des dystopies, le post-apocalyptique c'est jusqu'au bout, c'est la destruction, c'est la fin des temps, c'est le côté extrême de l'anticipation. Oui, alors pour moi la science-fiction elle a trois clés, trois rôles. Premièrement, proposer des merveilleux voyages, c'est-à-dire que le déplacement dans l'espace-temps crée un voyage extraordinaire, c'est-à-dire un choc qui donne l'effet vertige. Moi, j'adore l'effet vertige. Quand j'ai lu mon premier livre de science-fiction, Chronique martienne de Ray Bradbury, j'ai eu cet effet vertige, c'est-à-dire que j'étais instantanément transporté dans un lointain espace-temps et j'ai perdu tous mes repères. Et ça, j'adore, cet effet-là me plaît énormément. Ensuite, paradoxalement, je pense que le fait de s'éloigner, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est cette espèce d'effet loupe, c'est-à-dire l'éloignement crée une meilleure perception du présent. Donc permet de voir ce qui peut être, ce qui peut guetter la société dans le futur, tous les dangers qui attendent la société si elle s'évolue dans telle ou telle direction. Et donc à ce moment-là, oui, l'auteur s'empare de ça et devient un lanceur d'alerte pour, si on continue dans cette direction-là, voilà ce qui risque d'arriver. Donc il y a cette espèce de privilège qui est d'anticiper, de se projeter dans l'espace-temps et de dire, si on met le curseur un peu là, ben, notre société risque d'évoluer comme ça. Donc c'est une invitation à la réflexion. Je pense que la science-fiction elle a un rôle important, surtout dans une époque où on ne prend pas le temps de la réflexion, où les impératifs économiques font que plus personne ne prend le temps de la réflexion, on balance des trucs bon, je veux dire, qui engagent l'humanité sur des siècles et des siècles. Je vais prendre les OGM comme exemple. Donc, quand on touche les chaînes génétiques, évidemment, ça peut se prolonger indéfiniment et on n'est pas sûr de pouvoir stopper le phénomène qu'on aura mis en place. Donc, il n'y a plus de moratoire. Hein. On essaie d'imposer des cultures génétiquement modifiées pour des raisons purement économiques et surtout de domination économique. On voit tout le travail qui est fait au Parlement de Bruxelles pour imposer ces cultures-là, etc., pour déclarer l'agriculture biologique quasiment illégale, parce que pas conforme, enfin, etc. Et c'est ça, les auteurs de science-fiction peuvent se placer dans cet espace-là pour dire, ok, vous imposez ça, mais maintenant, si ça dérape, la biotechnologie, voilà ce qui peut arriver, et une transmutation qu'on ne pourra plus stopper, est-ce que c'est ça qui nous intéresse ? C'est ce que j'ai fait aussi dans les fables impures, ça aussi, une évolution génétique qui fait que ça devient stoppable jusqu'à la disparition de l'homme. Quoi. Et ça, c'est le privilège de l'auteur de science-fiction de dire « je vous invite à la réflexion, si on va dans telle et telle direction, on peut prendre ce temps de la réflexion, de la lecture moins d'un livre qui peut permettre de modifier peut-être le point de vue ». J'ai une immense ambition en tant qu'auteur d'anticipation, c'est de faire déplacer le point de vue, ne serait-ce que d'un degré de mon lecteur, c'est-à-dire l'inviter à regarder autrement toutes les facettes du problème. Quoi. Puis troisième intérêt de la science-fiction, qui en fait un genre assez unique, je pense, et d'une richesse inouïe, c'est l'interrogation philosophique. Je pense que la science-fiction reprend les mythologies et reprend les questionnements fondamentaux de l'humanité qui sont déjà présents dans les mythologies. Alors, je prends toujours cet exemple, mais je vais le reprendre, celui du mythe de Gilgamesh, qui est un des plus vieux mythes recensés de l'humanité.
et qui parle d'immortalité, l'immortalité qui est un problème souvent soulevé par les romans de science-fiction. Qu'est-ce que la mortalité? Qu'est-ce que l'immortalité? Quel est et notre qui est rapport? Un fantasme de l'humanité. C'est un fantasme de l'humanité, c'est et notre rapport médecine. À la mort qui conduit à la transhumanité, à la post-humanité, enfin, etc. Parce que on veut. J'ai l'impression qu'on veut sauter l'étape de l'humanité, et l'humanité, pour moi, elle est mortelle. Donc, voilà, on n'a peut-être pas exploré l'humanité encore, pour l'instant. Ouais, donc, c'est une orientation philosophique. Alors, ces trois qualités, ces trois intérêts de la science-fiction, c'est-à-dire le voyage extraordinaire, l'alerte lancée, la réflexion sur l'évolution de nos mondes, l'interrogation philosophique, en font un genre unique. Je veux dire, vous allez chercher dans toutes les autres formes de littérature, vous allez avoir du mal à trouver les trois éléments. Oui, c'est pour ça que c'est une littérature essentielle, la science-fiction. Elle est d'autant plus à l'époque de l'évolution technologique accélérée, oui, elle est de plus en plus indispensable. Oui. Jasmine s'était endormie un demi-siècle plus tôt dans une cuve à l'allure de cercueil. La dernière personne qu'elle avait aperçue avant d'être engourdie par un froid intense, c'était une infirmière avec deux antennes vissées sur le front, des yeux entièrement noirs, quatre ailes vibrillonnantes et un corps étranglé d'où émanait une pernicieuse odeur de chitine. Où sommes-nous ? La question était sortie toute seule de la bouche de Jasmine. Bouche ? Elle n'avait pas l'impression d'avoir remué les lèvres. Cette question, on est dans un potager de plouc. La marguerite non plus n'avait pas de cavité apparente et mobile. Comment suis-je arrivée là ? Les poireaux continuaient de briller, mais ils s'étaient tus, attentifs à la conversation. « Ben, comme les autres, je suppose, répondit la marguerite. Les grands butineurs ont prélevé tes gènes, les ont mélangés avec une graine et t'ont planté dans ce potager. » Les grands butineurs. Parler donnait à Jasmine la sensation de vibrer de la tête aux pieds. Tête ? Pied ? Est-ce que ces mots recouvraient encore un sens ? Quelque part en elle, une corde vocale transformait ses bruissements en sons articulés. « Ben oui, quoi ? Les serviteurs de Sa Majesté Bionette, ils surveillent tous les champs potagers et jardins de la terre. Et mon corps ? La marguerite se tendina pendant quelques secondes sur sa tige en signe de perplexité. « Mais tu as un corps, ma jolie, et même un beau. Des pétales rouges, un pistil bleu nuit, une tige lisse. Les grands butineurs se sont pas foutus de ta gueule. Je suis une fleur ? Ça vaut mieux, crois-moi, que de faire le poireau. Eh oh, tu sais ce qu'ils te disent, les poireaux ? Et mon corps humain ? Demanda Jasmine. « Humain ? De quoi parles-tu, ma jolie ? Les hommes, les êtres qui habitaient la terre avant que, anéantis, submergés par la frayeur, Jasmine se réfugia dans le silence, espérant bientôt se réveiller dans sa cuve de congélation du centre de détention. » Selon vous, Pierre, en 30 ans de carrière, quelles sont les œuvres que vous allez retenir dans votre bibliographie et pourquoi ? Ça, c'est une question, mais terrible. Cependant, malgré tout ce préambule, il y a des romans qui m'ont plus marqué que d'autres ou que je retiendrai pour des raisons particulières qui sont par exemple le premier. Comme on a toujours une petite préférence pour l'aîné, peut-être, je ne sais pas, parce que celui qui fait découler tout le reste. Donc, Les Guerriers du Silence et cette jubilation incroyable que j'ai ressentie en écrivant le premier tome. Ensuite, Les Fables de l'Impure, Wang. Wang a été très important parce que Wang, c'est une anticipation et comme m'avait dit mon éditeur de l'époque, Pierre Michaud à l'Atlante, il m'a dit « Attention, tu t'attaques vraiment à un genre… » Voilà, j'ai eu peur hein, d'un seul coup. Et donc, je me suis un peu appliqué, quoi. J'ai dit « Voilà, qu'est-ce qu'il dit ?» Et donc, je suis quand même allé. Et puis, ça a été aussi assez fondateur pour moi dans le sens où j'ai été plus considéré comme un véritable écrivain de science-fiction après Wang. Parce que Les Guerriers du Silence, c'était plus un mélange de fantasy, de science-fiction, de fantasy, science-fantasy, comme on dit maintenant. Donc ces deux-là. Ensuite, Les Derniers Hommes. Parce que Les Derniers Hommes, j'ai envie de dire tous, mais bon, allez, je me suis obligé de choisir, je joue le jeu. Les Derniers Hommes, parce que ça a été fait dans un cadre particulier, c'était Mario Mazorik qui m'avait fait lire La Ligne Verte de Stephen King, que j'avais adoré vraiment, et qui avait été écrit sous forme de 6 épisodes. Et donc elle m'a dit que ce serait bien c'est de relever le défi des 6 épisodes et de faire ça avec la science-fiction par un français. Donc j'ai conçu Les Derniers Hommes, donc un travail feuilletoniste vraiment en 6 épisodes. Pour Librio. Librio, hein, voilà. C'était pas un Librio d'abord, des petits livres pas chers, ouais. Etc. Qui a bien rempli son rôle parce que ça a permis à plein de gens de découvrir le genre ou de me découvrir en tant qu'auteur.
parce que c'est des bouquins, c'est des livres à 2 euros, oui, 10 francs à l'époque. Oui. Et donc 10 francs, n'importe qui pouvait acheter ça. On pouvait acheter ça dans les supermarchés, dans les stations-service. Et donc s'initier un peu au genre sans prendre de risques, sans prendre de risques financiers en tout cas, parce que bon, voilà, c'était pas cher. Ensuite, il y a eu, j'en ai oublié, c'est ça qui m'énerve, mais bon, voilà, L'Enjeu mineur, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure. Mais il y a aussi la trilogie des prophéties, parce que ça m'a appris plein de choses ou apporté plein de choses sur le plan de l'écriture. C'est terrible, Panka, j'adorais aussi, c'est du space opéra. Je vais finir par tous les citer. Donc. On va être obligé de s'arrêter un moment. Et puis des expériences un peu différentes, comme Le jour où la guerre s'arrêta, qui est un conte philosophique, qui a un peu passé inaperçu, puisqu'il n'a pas du tout été. Il n'a pas du tout été reconnu par les lecteurs de science-fiction et pas du tout reconnu, alors vraiment pas du tout, par les lecteurs de littérature générale. Et puis peut-être le dernier, La fantaisie, parce que c'est de la pure fantaisie, que ça fait longtemps que j'avais envie de faire de la fantaisie, parce qu'en réalité, je dois faire mon coming out. Je suis un auteur de fantaisie. D'accord. Bon, un auteur de l'imaginaire, ouais. Peut-être. Je dis ça parce qu'on a souvent assimilé le space opéra à la fantasy. Je suis assez d'accord avec ça parce que les archétypes sont exactement les mêmes, les aventures initiatiques sont exactement les mêmes. Le terrain de jeu est un peu plus grand. Hein. On a remplacé les chevaux par des vaisseaux, mais finalement, les archétypes du guerrier, le cheminement initiatique du héros, les ordres sociaux sont strictement identiques à ceux de la fantasy. Comme disait Pratchett, le space opéra, c'est de la fantaisie avec des boulons. Peut-on parler d'un imaginaire bordagien ? J'utilise évidemment un néologisme à dessein. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous donner votre vision du monde, votre rapport à la nature, à la technologie ? Est-ce qu'il y a peut-être une utopie ? L'univers bordagien, il existe forcément parce qu'il passe par moi. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'univers est nourri du sang de l'auteur et donc du sang, de la sueur et de la salive de l'auteur, enfin de toutes les émanations de l'auteur. Et donc forcément, il a une connotation particulière qui pourrait être dit bordagienne, en fait, en quelque sorte. Même si, comme encore une fois, je suis plutôt l'accueilleur du roman qui me traverse plutôt que le créateur, mais bon, il est nourri de moi aussi, donc ça teinte l'univers d'une façon particulière. Donc il y a un aspect bordagien des choses, obligatoirement. Et c'était quoi la deuxième partie des questions ? C'était quelle est la vision particulière du monde et surtout le rapport à la nature, à la technologie, c'est-à-dire. Comment est-ce qu'on peut se passer ? Et c'est là où on va retrouver mon côté rural dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai une énorme méfiance par rapport à la technologie. En fait, c'est lié à mon cheminement spirituel personnel, non forcément personnel, un cheminement spirituel hein, d'ailleurs, qui est que de penser que finalement aucun élément extérieur ne pourra apporter le bonheur à quiconque. Ni un système social, ni la richesse ou la pauvreté, ni rien du tout, ça passe par une découverte intérieure de ses propres territoires. Pour moi, la technologie, alors j'ai une sorte de répulsion pour toute religion constituée, parce que je pense que c'est un corpus de dogmes qui emprisonne. La véritable spiritualité, pour moi, libère, et la religion emprisonne. Et j'ai l'impression que la technologie ou la science a pris le relais de la religion, c'est-à-dire la religion, c'était quoi ? C'était un dieu extérieur qui... si on avait une certaine attitude, allait faire notre bonheur ou nous amener dans son paradis, etc. Et j'ai l'impression qu'on a essayé de remplacer ce dieu-là par de la technologie, c'est-à-dire, oui, plus la technologie progresse et plus on va être heureux. C'est faux. La technologie progresse à une vitesse grand V et les gens ne sont pas plus heureux pour autant, quoi. Donc c'est une aide, c'est un support. Hein. Là, on a des caméras qui nous prennent et c'est une très belle technologie, mais ça n'empêchera pas de faire le travail sur sa propre liberté intérieure. C'est pour moi la condition sine qua non pour sinon être heureux, je ne sais pas si ce que c'est d'être heureux, mais au moins évoluer. Quoi. C'est-à-dire se sortir de tous les conditionnements possibles et imaginables qui nous contraignent à être ce qu'on n'est pas finalement. C'est très bouddhiste ça comme réflexion, non ? Il paraît que c'est bouddhiste, ouais. Je ne suis pas bouddhiste personnellement. Moi, j'ai vu ça dans tous les enseignements... mais il y a aussi des enseignements occidentaux, par exemple des gens comme Maître Eckhart ou Angelus Silesius, des grands mystiques chrétiens qui sont dans cette mouvance-là, où ils disent Dieu est un atanal présent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que le présent, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de,
de « il faut faire telle action pour gagner le paradis futur », il n'y a pas tout ça. C'est, Dieu est un éternel présent. Ça, c'est Ergélus, il est juste un mystique chrétien. Et le Tao, par exemple, pour moi, c'est un enseignement comme ça. On trouve ça dans les Upanishads, le texte sacré de l'Inde, même dans certains Védas, encore plus anciens. Je pense qu'il y a je suis intéressé par les enseignements paradoxaux, c'est-à-dire ceux qui ne laissent jamais nous emprisonner dans des certitudes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude. Ce sont souvent des enseignements qui nous disent que le seul constant, c'est le changement. Donc ça change, tout change en permanence. Or, les religions, j'ai l'impression qu'elles essaient de figer ce mouvement infiniment fluide qui est de la pensée ou celui de la véritable spiritualité. Pour moi, il est impossible d'avoir une spiritualité commune. C'est, je pense, chaque être humain qui doit trouver sa propre liberté intérieure. Je vais donc lire un extrait du Ramayana, qui est l'aventure de Rama. Et le poème que je vais vous lire est de la présentation de Rama, la première fois que le conteur, qui s'appelle Valmiki, présente Rama. Donc c'est une des deux grandes mythologies indiennes avec le Bhagavad Gita, enfin le Mahabharata et le Ramayana sont les deux grands textes mythologiques indiens. Donc Rama. Né dans la race d'Ishvaku, le noble dynastie solaire, celui vers qui ton cœur espère est le beau prince d'Ayodhya, le bien-aimé seigneur Rama. Vaste poitrine, épaules d'archer, bras puissants brisant les rochers, cou tel une conque de mer, voici Rama flamboyant et fier. Sa tête d'or au large front, ses beaux yeux au regard profond, tous les signes de sainteté sur sa personne, Rama est la beauté faite homme. Resplendissant, non violent et fort, Rama domine sa pensée, il se contrôle sans effort et sa raison est maîtrisée. Son intelligence lumineuse est claire et éloquente et sa haute gloire est de vouloir d'abord, pour la victoire, convaincre son pire adversaire. Rama, plein de sagesse et de mesure, irréprochable dans sa droiture, maîtrise ardente et calme de soi-même, concentration plénière de soi-même. Rama ainsi que Brahma, le créateur, éclaire ce qu'il appelle sauveur. Il prend le parti des pauvres et des petits, anéantit l'injuste et le menteur. Archer divin en flèche d'or, science de la vie et de la mort, le livre aussi branche, il le sait, les Védas n'ont pour lui plus de secrets. Bienfaisant, toujours généreux, source de toutes les lumières, Rama tient les hommes vertueux comme l'océan les rivières. Tel l'abîme du temps est son cœur, inébranlable tel l'Himalaya, égal à Vishnu par l'éclat, de la lune il a la douceur. Feu purificateur, sa colère entraînera la fin des temps. Mais comme la terre, notre mère, il est miséricordieux, patient. Par sa bonté, Rama dépasse Kubera en magnificence. Par son équité, sa droiture, il l'emporte sur Dharma, dieu de la vertu. Pierre, il y a deux grandes tendances dans votre science-fiction. La tendance space opéra, et puis d'un autre côté, une science-fiction plus contemporaine. Et quelque part, cette distinction recouvre aussi un travail avec deux éditeurs différents, La Talente et Le Diable Vauvert. Et donc, je me demandais si c'était une inspiration qui avait été suscitée justement par la présence d'un nouvel éditeur, ou si, au contraire, c'était une inspiration qui préexistait et qui avait trouvé finalement preneur chez un autre éditeur. Ouais, il y a un historique à ça, c'est-à-dire que j'ai publié mon premier roman, La Guerre du Silence, à La Talente, puis le deuxième aussi, Wang, à La Talente, que je considérais comme une édition d'imaginaire, enfin qui se présentait de plus en plus comme une édition d'imaginaire, parce qu'elle publie aussi des grands auteurs anglo-saxons comme Moorcock, Card et tout ça. Moi, j'étais le premier français à La Talente d'ailleurs. Puis il se trouve que. Après avoir publié La Talente, évidemment, on avait vendu les livres en poche chez J'ai lu. Et donc, j'ai eu contact avec Marion Mazorik, qui était à ce moment-là directrice chez J'ai lu du poche, et qui m'a proposé petit à petit de faire des inédits pour J'ai lu. Donc, j'ai fait Atlantis chez J'ai lu, donc qui était dans l'univers de jeux vidéo. J'ai fait Les Fables de l'Impur. J'ai fait Avant les Derniers Hommes, qui était la reprise. L'idée, c'était de faire quelque chose de similaire à Stephen King, qui avait fait un roman 6 épisodes qui s'appelait La Ligne Verte, et d'essayer de relever ce défi-là en français et en science-fiction. Donc elle m'a demandé si je voulais faire ça, donc j'ai fait Derniers Hommes, puis après j'ai fait Les Fables de l'Impur. Donc j'avais déjà un contact avec Marion Mazorik, et ensuite, tout en continuant à fournir de la talente, elle a créé sa propre maison d'édition. Elle a quitté J'ai lu, monté sa propre maison d'édition, et puis elle m'a dit « J'aimerais bien que tu écrives des bouquins dans ma nouvelle édition. » Et donc...
Son projet d'édition, c'était de faire une édition très transgenre, à la fois du contemporain, un peu d'imaginaire, très ouverte. Et donc, je lui ai proposé à ce moment-là l'Évangile du Serpent. Et il m'a semblé que cette écriture, qui était beaucoup plus contemporaine que dans les espèces opéra ou dans Wang, etc., avait trouvé sa place, sa vraie place, dans une édition comme Le Diable Vauvert, et donc qui me permettait des expériences littéraires différentes. Et donc j'ai fait tout ce qui se rapprochait du réel, hein, c'est-à-dire le plus possible de notre époque, de l'anticipation à très court terme. Ça se passait, pour moi, c'était naturel de le donner au Diable Vauvert, parce que je pensais que c'était là que c'était mieux défendu, c'est là où il y avait vraiment une place pour ce genre. Et donc, j'ai fait L'Ange de l'Abîme, après j'ai fait Les Chemins de Damas, Porteur d'âme, Le Feu de Dieu, Chronique des Ombres. Et tout ça, c'est très, finalement, assez contemporain, je trouve, à la fois dans l'écriture, à la fois dans l'expérimentation, parce que par exemple, Chronique des Ombres, c'est une expérimentation sur le feuilleton aussi. On avait fait ça en 36 épisodes, publié directement sur le net au départ. Donc, c'était. Enfin, j'ai ressenti Le Diable Vauvert comme une édition un peu plus aventureuse, mais ce sont des livres pour moi plus aventureux sur le plan littéraire, j'entends. Alors que La Talente, c'est plus classique, imaginaire. Alors après, il y a eu Les Gars du Silence, Wang, Absalon, Griot Céleste, Fraternité du Panka, Les Dames Blanches. Quoique Les Dames Blanches auraient pu aller au Diable Vauvert d'ailleurs aussi. L'enjeu mineur, parce que la fantaisie historique, je pense que c'est de l'imaginaire pur aussi. Donc voilà, après, c'est un choix un peu arbitraire. Hein. La preuve, Les Dames Blanches auraient très bien pu aller chez l'un ou l'autre éditeur. Mais ça m'intéressait d'avoir ces deux maisons d'édition, parce qu'il y en a une qui était beaucoup plus classique sur le plan imaginaire, et l'autre beaucoup plus expérimental sur le plan littéraire. Et donc ça m'intéressait. Puis j'ai fait d'autres expériences avec d'autres éditeurs. Enfin, quand je fais par exemple chez Flammarion, j'ai fait une série jeunesse, hein, dans la collection Uchronie, où il y a ceux qui sauront, ceux qui rêvent et ceux qui osent, parce qu'on me l'a proposé, parce que je suis ouvert à toutes les expériences, j'ai bossé avec des éditeurs divers et variés, la branche édition, par exemple, où j'ai fait un polar qui s'appelle L'Arcane sans nom, et puis là, je viens de publier une fantaisie qui s'appelle Arcane, Tome 1, La Désolation, chez Bragelonne, parce qu'il m'a semblé que la fantaisie pure, la fantaisie... trouver sa place vraiment chez Bragelonne. Donc oui, je fais des textes, puis après j'essaie de voir chez quel éditeur ça semblerait être le mieux placé. Et donc, justement, on parlait d'écriture. Vous disiez qu'il y a certains livres sur lesquels vous avez l'opportunité d'avoir une expérimentation plus grande. Donc, il y a des formes d'expérimentation, notamment narrative dans vos textes, mais aussi, justement, stylistique d'écriture. Et notamment, il y a un espace qui me paraît très intéressant à ce niveau-là dans vos livres. Ce sont tous les épigraphes, particulier dans les space opéra. Ouais. Et notamment, il y a énormément d'épigraphes poétiques. Ouais. Dans vos romans, et je me demandais quelle était la place de ces textes pour vous, et aussi est-ce que vous aviez finalement déjà envisagé de tout simplement d'écrire de la poésie en dehors, en dehors du contexte romanesque. Ah là, mon Dieu, les épigraphes, ils me sont apparus comme une nécessité à un moment pour donner une vision verticale de l'histoire. Vous avez votre histoire, vous savez, narration horizontale avec les personnages que vous suivez d'un point à l'autre. Et il me semble que tous ces petits textes-là, de préambule, etc., ça donne une profondeur à l'univers. Comme si on avait déterré des archives du futur. Comme si on entrait dans une bibliothèque du futur et qu'on gardait des poésies, des extraits d'encyclopédie, des chansons, des petits proverbes, etc. Et j'adore ça, hein. Ça c'est une gourmandise pour moi, hein. Quand j'ai fini un chapitre de faire l'épigraphe, alors là, et puis je sais pas ce que je vais faire, mais ça part d'un seul coup, et en même par moment, je me suis amusé à donner des clés de ce qui allait se passer dans le chapitre, dans l'épigraphe, mais qu'on ne s'en aperçoive qu'à la fin, en disant, ah bah oui, tiens, c'était écrit là quelque part, quoi. Donc, ouais, après écrire de la poésie pure, je sais pas si je serais capable de le faire, hein. J'ai jamais éprouvé. Je me suis essayé à la chanson à un moment. J'ai fait une ou deux chansons pour voir. Ça me plaît bien. C'est une écriture différente, beaucoup plus elliptique, beaucoup plus. Où on ne peut pas s'étaler comme dans le roman. Hein, donc il faut dire les choses très très rapidement.
Il y a un parolier, un chanteur que j'adore à ce niveau-là, c'est Souchon, parce que je pense qu'il a une écriture d'une rapidité incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il pose un univers en quelques mots, très très simple, et tout un univers secret. J'aime beaucoup Brassens pour sa façon de manipuler la langue et tout ça. J'aime la poésie, j'aime Rimbaud, j'aime des gens comme ça. Je trouve certains poètes assez fabuleux dans leur expression. J'ai jamais eu vraiment l'idée de faire ça en dehors des romans. Parce que, je sais pas, je me sens peut-être pas justifié pour le faire, ou pas légitime pour le faire, en tout cas. Donc, quelque part, c'est un prétexte pour en faire, pour m'adonner à d'autres formes d'écriture, de créer des petites chansons populaires qui auraient existé, des trucs comme ça. Ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vraiment une gourmandise. Par exemple, pour les Fables de l'Impur, j'ai fait... Chaque chapitre commence par un fabliau. C'était une façon pour moi de rendre hommage à La Fontaine, qui est pour moi un écrivain extraordinaire, qui a une musicalité de la langue fabuleuse. Et quand, fabuleuse, c'est le cas de le dire. Et quand on regarde ce qu'était Ésope, les fables d'Ésope reprises par La Fontaine, il lui ajoute une qualité de la langue exceptionnelle qui fait que j'ai... Quand mon fils est né et qu'on me l'a mis dans les bras et que je ne sais pas quoi en faire, parce que ma femme était hors d'état de s'en occuper sur le moment, je lui ai récité une fable de La Fontaine en boucle. Il est devenu comédien, ça c'est peut-être un lien, pendant une heure ou deux, le temps que tout ça se remette en place. Parce que c'est, pour moi, c'est quand on déclame des fables de La Fontaine, c'est vraiment un plaisir de bouche incroyable, quoi. Donc ouais, j'essaie de me faire ça. Encore une fois, c'est vraiment une gourmandise, hein. Je fais le chapitre, puis après je reviens. J'essaie de retrouver l'essence du chapitre pour ajouter quelque chose qui serait de l'ordre de la verticalité. Chapitre 15. Sophale. La sagesse n'a pas de frontières. A-t-on vu l'air, l'eau et le soleil s'embarrasser de limites ? Un trouvre à plumes et à bec, venu d'une lointaine contrée, afin de compter ses fariboles aux pucelles de cour, fut un soir recueilli par un vieux miaule, aux poils si tannés qu'on eût dit de l'écorce. Après qu'ils eurent ripaillé, le miaule pria le trouvre de chanter quelques-unes de ses godelurades, ce que l'autre accepta volontiers, n'ayant aucune autre manière de rendre grâce à son hôte. Cependant, au deuxième chant, le miaule s'endormit et ronfla si fort que le trouvre rangea sa vielle et mortifié se coucha à son tour. « N'avais guère apprécié mes contes, » dit le trouvre au réveil. « Bien plus que tu ne crois, » dit le miaule. « Hier soir, il n'y avait pas de vent, et j'avais besoin d'entendre un chant pour me bercer. Je ne suis pas un guingrelin de cour, mais je sais prendre ce qui me convient dans les fariboles d'un trouvre. » Vous parliez de chansons tout à l'heure. Je sais que vous aimez beaucoup la musique, vous jouez du banjo, et je me demandais quelle était la place en fait de la musique pour vous dans votre vie et aussi dans votre activité créatrice. Est-ce que ça influe sur votre écriture? Est-ce que vous écoutez de la musique pendant que vous écrivez ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des influences quelconques? Je suis extrêmement bizarre à ce niveau-là. Oui, j'aime beaucoup la musique. J'aime en faire la musique. La musique, ça me délasse. Après une journée d'écriture, faire de la musique, c'est vraiment un délassement, autre chose où je suis beaucoup moins sûr de moi, donc je suis en apprentissage permanent sur la musique. Mais la musique, oui, elle a beaucoup d'importance. Enfin, j'aime beaucoup la musique, toutes sortes de musiques, mais j'ai eu des périodes dans ma vie. Hein. J'ai eu période classique, j'ai eu période hard rock, j'ai eu des périodes folk. Et puis ça finit par la musique traditionnelle américaine. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais bon, j'ai toujours aimé le son du banjo. Et puis l'opportunité m'a été donnée par Patrick Couton un jour qui m'avait pris en stop de me donner des cours de banjo. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. En revanche, quand j'écris, je n'écoute pas du tout de musique. Ça m'est arrivé une ou deux fois, parce qu'il y avait un morceau qui m'avait inspiré un truc et que j'écoutais en boucle en écrivant un chapitre. Vraiment en boucle, hein, c'est-à-dire 20 fois de suite, quoi, 30 fois de suite. J'écoute la radio en écrivant. La radio que ça cause, petit France Inter, enfin, ce genre de station. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, j'ai besoin d'être bercé par un bruit, j'ai l'impression, et une sorte de bruit du monde, une rumeur du monde sur laquelle je prête pas souvent attention.
j'entends cette rumeur, puis j'entends, il y a un mot qui capte mon attention, et hop, je m'intéresse une minute, deux minutes à ce qui se dit, et je replonge. Et c'est marrant, j'ai cette espèce de fond sonore permanent. Est-ce que c'est parce que j'ai peur du silence? Est-ce que je ne sais pas. Ça m'arrive de bosser aussi dans le silence complet, c'est-à-dire j'en ai un peu marre de ce bruit-là, et je coupe, et puis je fais le silence. Donc c'est... Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'inspirent de musique. Je discutais avec mes confrères pas mal. Ils écoutent tel type de musique en écrivant. Et ils ont besoin de cette musique-là pour... moi, pas. Parfois, je m'aperçois aussi que j'oublie de mettre la radio. Donc je travaille dans le silence sans me rendre compte pendant 2 ou 3 heures. Donc je suis tellement plongé à l'intérieur de l'écriture... en immersion dans l'écriture, que voilà, il y a des trucs qui se passent autour, je ne sais pas très bien quoi, et puis de temps en temps, ouais, je prête l'attention parce qu'un mot ou une voix a attiré mon attention. Je suis très sensible aux voix, j'adore les voix de radio, et j'essaie de dire, comment on voit pas, maintenant on peut voir les gens qui parlent à la radio facilement sur Internet, mais j'essaie toujours d'imaginer une personne par rapport à sa voix, et je suis toujours surpris de voir la personne, parce que ça ne correspond jamais du tout, jamais à ce que j'ai imaginé. Et ça, c'est assez étonnant. Et qu'en est-il du coup de la musique, de l'écriture elle-même, en fait ? Ouais, je travaille beaucoup. Enfin, je pense travailler beaucoup l'écriture de façon musicale. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la relecture finale. Pour moi, l'écriture c'est comme une partition qui représente l'âme de chaque lâme. Grand mot, lâme. Enfin, ou l'essence de chaque écrivain. On n'a pas la même façon d'écrire, c'est comme la musique, vous avez 7 notes plus 2 ou 3 bricoles bémol et dièse, et avec ces 7 notes-là, de base, vous avez un musicien, vous reconnaissez immédiatement sa patte, on reconnaît du Mozart immédiatement, on reconnaît du Beethoven immédiatement, et on reconnaît du Jimi Hendrix immédiatement, ça n'a rien à voir avec Mozart, mais pourtant on utilise les mêmes gammes. Et je pense que l'écriture c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que chaque écrivain a sa propre musique intérieure, la ressource aux formes d'écriture, on a tous les mêmes mots, finalement les mêmes lettres, et avec ces combinaisons de lettres et de mots, on arrive à faire des musiques complètement différentes. Et j'essaie beaucoup de regarder la musicalité de l'écriture, parce que j'ai l'impression que plus c'est musical, fluide en quelque sorte, et moins le lecteur a de prétexte pour sortir du texte. Je pense que les fausses notes, ça peut faire sortir le lecteur du texte, de façon inconsciente d'ailleurs, peut-être. Il ne va pas se dire, tiens, il y a une fausse note là, mais il va dire, tiens, il y a quelque chose qui me gêne. Et j'essaie de faire en sorte que rien ne vienne gêner la lecture du lecteur. Et pour ça, j'ai vraiment cette espèce de regard musical sur l'écriture à chaque fois. À chaque fois que, quand je relis un texte que j'ai fait la journée, en gros, je travaille chapitre par chapitre. Hein, je fais un chapitre, je vais jusqu'au bout du chapitre. Après, je le relis sous forme électronique. Je le tire en papier, en général. J'ai besoin encore de la transition papier parce que, fils de Gutenberg, comme beaucoup de nous, hein, on a appris vraiment l'écriture par les livres, par la page, et donc ça donne un regard un peu différent. Et d'ailleurs, je trouve des choses à la relecture sur papier que je ne retrouve pas en la relecture électronique. Donc j'ai besoin de ce passage au papier, et j'annote au crayon de papier ce que je dois changer. Et à la fin du roman, je reprends tous mes chapitres comme ça empilés, et je ressaisis tous les changements que j'ai notés sur le papier. Plus, je refais une autre lecture musicale, et après, ça va faire 2-3 lectures globales du texte avant de l'envoyer à l'éditeur. Quoi. Mais il y a vraiment une notion de musicalité importante pour moi dans l'écriture. Est-ce que vous relisez à voix haute aussi Non, c'est rare. Alors, j'ai fait cet exercice-là l'autre jour parce que j'ai un copain à qui je téléphone souvent, et puis on se raconte à la fois nos vies, qui sont sans intérêt, mais bon, okay, je la raconte quand même. Et aussi les textes que je suis en train d'écrire, et ça m'oblige à les dire. Et c'est un exercice qui m'intéresse énormément, finalement, parce que cette fluidité, elle transparaît tout de suite dans la déclamation. S'il y a un problème de musicalité, ce sera comme une musique qu'on va jouer faux à un moment, quoi, ou qui va sonner faux. Et là, je me rends compte tout de suite compte. Donc ça, c'est intéressant. Je ne faisais pas du tout ça avant. En revanche, je ne crois pas que je serais capable d'écrire avec, vous savez, un dictaphone et de parler simplement, ou avec ces nouveaux logiciels qui transcrivent ce qu'on dit, enfin les paroles. Non, j'ai besoin aussi de ce rapport à l'écriture silencieuse, vous voyez.
Mais une fois que c'est fait, oui, c'est intéressant de parler pour voir comment ça rend, comment la musique du texte se met en place. Le récit est vraiment fondamental dans votre travail, non seulement parce que vous écrivez des romans et des nouvelles, mais aussi parce que à l'intérieur même des univers fictionnels que vous décrivez, il y a les personnages communiquent, se disent, se transmettent par justement des légendes, par des mythes, par des récits. Et peut-être le grand exemple de ça, c'est évidemment les griots célestes. Ouais. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est important cette place du récit? Ouais, pour moi, elle est fondamentale, hein, la place du récit. Quand j'étais gamin, je lisais énormément de mythologie parce que j'avais mon parrain qui m'offrait à chaque étrenne des récits mythologiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection chez Nathan, je crois. C'était des couvertures blanches avec des fils dorés. Et c'était contes et mythologies du monde entier. Et donc, il y avait l'Asie, il y avait la gréco-latine, évidemment, enfin, l'africaine... l'américaine, enfin des populations primitives, je ne sais pas si on dit primitives, non, c'est première, voilà, merci, les populations premières des États-Unis. Et moi, j'étais fasciné, moi. Je disais ça, moi, ça m'emportait tout de suite dans un autre monde, ça me faisait décaler, j'avais cet effet vertige dont j'ai parlé. Par rapport à la science-fiction, ça me crée ce décollement de mon réel, ça m'emmenait dans un univers fabuleux. Et j'ai l'impression que je me suis toujours inscrit de façon spontanée, inconsciente, dans le sillon creusé par une mythologie. Ouais. Pour moi, c'est ce schéma narratif totalement indémodable, quoi. Totalement indépassable. J'ai l'impression que naturellement, quand j'ai commencé à écrire Les Guerriers du Silence, j'étais dans ce sillon-là creusé, et puis que je faisais que réappliquer des schémas narratifs que je connaissais depuis tout le temps, parce que je m'étais familiarisé avec les mythologies. Pour moi, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un modèle de récit qui est quasiment parfait, et c'est très extrêmement difficile d'aller, et ça traverse le temps. Ce qui veut dire que ça a une fonction quand même qui est transcendantale quasiment. Hein. Je parlais de verticalité tout à l'heure au niveau des textes. C'est d'une verticalité incroyable. Ça part de l'Antiquité. C'est encore valable. Enfin, on fait encore des films là-dessus sur Troie et sur toute cette aventure-là. Donc, moi, je me suis toujours raccroché aux mythologies. Enfin, j'ai été remorqué par les mythologies. Et j'ai l'impression de ne rien inventer sur le plan narratif, et je m'en fous totalement, ça m'est égal, parce que ce qui m'intéresse, c'est de raconter, de faire du récit moi-même, quoi. D'être dans le sillage creusé par Homère et ses pères. Un des grands modèles narratifs, finalement, du mythe et du récit, c'est la quête initiatique, ouais. Et beaucoup de vos personnages sont des marginaux, des gens qui sont finalement happés tout d'un coup par un destin qu'ils n'avaient pas, ouais, du tout envisagé, et qui vont grandir par rapport à l'ensemble des expériences qu'ils vont rencontrer. Mais c'est plutôt un itinéraire de quête initiatique, une sorte de renoncement, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à une émancipation en lâchant du lest, quoi, au fur et, ouais, à mesure. Et le grand exemple de ça, c'est peut-être justement Tixiotti, déjà dans les Guerriers, ouais, du Silence. Et du coup, pour vous, qu'est-ce qu'un héros? Parce que justement, souvent, le récit, c'est autour de cette figure-là, du héros, c'est-à-dire du protagoniste. Du héros malgré lui, presque. Voilà, et quelle est votre vision de cette figure-là? La figure du héros? Oui. Je me suis intéressé à un moment à Joseph Campbell et le héros aux mille visages. J'étais assez fasciné par son étude sur le héros, parce que ça correspondait à ce que je pense, hein, enfin, ce que je faisais de façon spontanée. Je pense que le héros, c'est quelqu'un qui est assez jeune ou assez... enfin, lui, il emploie le terme niais, hein, niais dans le sens innocent au niveau de l'esprit, c'est-à-dire un esprit assez... qui n'est pas encombré de plein de choses comme... Donc le héros, c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui n'a pas trop d'a priori, soit parce qu'il est, par son tissu par exemple, parce qu'il s'ennuie profondément, il est devenu alcoolique sur cette planète perdue, etc. Donc c'est quelqu'un qui va assez mal,
mais qui est assez ouvert pour s'apercevoir qu'à un moment, l'appel du destin, quelque part. Le héros, c'est celui qui a suffisamment d'ouverture d'esprit pour pouvoir se mettre en route, parce que quelque chose va mal dans l'univers, quelque chose est disharmonieux dans l'univers, que les gens prisonniers des certitudes ne peuvent pas changer, parce qu'ils n'ont pas envie de changer leur propre univers, leur propre statut ou leur propre quotidien. Et donc il faut que ce personnage du héros soit quelqu'un de différent, qui lui va se mettre en quête pour à la fois se changer lui-même, parce qu'il suit cet appel du destin. En fait, c'est comme s'il suivait sa quête intérieure, enfin son fil intérieur, alors que les autres sont prisonniers des fils extérieurs. Et lui, il va se changer lui-même par cette quête initiatique qui va le faire connaître des épreuves, où il va apprendre à perdre plein de choses, perdre des certitudes, perdre des situations, se mettre en danger en permanence. Et puis, grâce à cette aventure initiatique, va ramener quelque chose pour son univers, pour son monde, qui est de l'ordre de la réharmonisation, quoi. Il y a beaucoup aussi d'héroïnes dans vos romans, et justement des personnages féminins très intéressants, très complexes, très divers. Est-ce que vous posez consciemment la question de la diversité de vos personnages, ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui vient naturellement ? C'est vrai, c'est très spontané. C'est étonnant pour un homme... Enfin, je pense qu'un auteur, c'est un principe neutre. C'est quelqu'un qui est ni féminin ni masculin, mais qui explore différentes facettes de l'humanité. Mais c'est quand même super intéressant, et ça j'ai travaillé dans Porteur d'âme, de se mettre à la place d'une femme, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout est différent. L'équilibre corporel est différent, la façon d'être est différente, la façon de marcher est différente, la façon de penser est différente. Et ça c'est fascinant pour moi de pouvoir explorer différentes facettes de l'humain, des personnages féminins et masculins. J'adore les personnages féminins. Je les trouve souvent plus... Je trouve globalement les femmes dans la vie beaucoup plus courageuses, beaucoup plus de l'organique que les hommes. Par exemple, de nos jours, 80% des divorces sont décidés par les femmes. Ce qui veut dire qu'elles sont beaucoup plus courageuses que les mecs, parce que les mecs ils peuvent se satisfaire d'une situation un peu floue, du moment que ça ne perturbe pas trop leur petite vie. Je pense que les femmes sont beaucoup plus courageuses. Je pense aussi qu'elles sont vues dans la mythologie et dans tout le monde courtois du Moyen-Âge comme des arcs, c'est-à-dire des personnages qui tiennent un peu qui sont un peu en retrait, mais dans l'énergie fondamentale pour le héros, hein. C'est vraiment toutes ces notions de chevaliers qui ont une dame quelque part et qui agissent au nom de cet amour-là. Je pense qu'il y a une capacité d'amour tellement forte chez les femmes qui peut se transformer d'ailleurs en tyrannie absolue. On le voit dans Médée, dans le personnage de Médée par exemple. Ils me viennent spontanément, mais j'adore travailler les personnages féminins. Enfin, c'est même pas les travailler, c'est que d'être avec elles, hein, tout simplement, et de les suivre. Il y a un personnage que j'adorais dans les finances, c'est qui s'appelle Oniki, qui est la prêtresse des grandes orgues, qui nettoie les tuyaux des grandes orgues. J'ai vraiment adoré ce personnage, quoi. Chaque fois que je retrouvais Oniki, c'était un bonheur pour moi. Ouais, chouette, un chapitre sur Oniki. J'étais avec elle et tout. Je vais être dans les grandes orgues. Je vais accoucher là-haut dans les grandes orgues toute seule. J'ai jamais accouché de ma vie, donc il fallait que je fasse preuve d'un peu d'imagination. Quoique le livre soit très proche de l'accouchement par maints égards. Enfin, il m'a semblé avoir employé la métaphore sexuelle pour l'idée qui grossit à l'intérieur de soi, qui sort en tant que bébé quasiment. Et il y a la même, évidemment, c'est rien à voir avec la douleur physique de l'accouchement, mais il y a une sorte de douleur à sortir ce truc-là, quoi, à sortir ce bébé-là. Donc, et dans Porteur d'âme, je suis allé jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire de transférer l'âme d'un homme dans le corps d'une femme. Enfin, l'âme, la conscience d'un homme dans le corps d'une femme pour voir la différence qu'il ressent. Et ça, c'est une expérience que j'avais faite avec ma femme, parce qu'elle était assez petite, elle avait 1m62, moi 1m86, et un jour, elle me voit en train de nettoyer l'eau du frigo. Elle me dit « Pourquoi tu nettoies l'eau du frigo ?»« Ben, parce qu'il est sale. »
Elle ne pouvait pas voir qu'il était sale parce qu'à 1m62, elle était là. Moi, le frigo, pour moi, c'était ça, et pour elle, c'était ça. Il y avait une différence qui était énorme d'un seul coup. La perception du monde n'était pas la même. Et jamais la perception du monde n'est la même. Et donc, d'envoyer la conscience d'un homme dans le corps d'une femme, ça m'a beaucoup intéressé. Il y a plein de. À la fois des mystères et sur l'autre sexe. Des mystères, mais en même temps, c'est extraordinaire de se frotter à ce mystère. La beauté d'Aurel était stupéfiante, presque intimidante, vue par les yeux du corps d'emprunt. Les perceptions de son vaisseau influençaient, coloraient les perceptions de Cyrian. Son appartement qu'il croyait connaître dans les moindres détails lui était apparu sous un jour nouveau. De même, il avait redécouvert les rues et les places de Paris, le ciel, le métro, les boutiques, les terrasses des cafés, auxquelles il avait fini par ne plus prêter attention. Il ne voyait pas les choses de la même hauteur, il ne privilégiait pas les mêmes sons, il n'était pas sensible aux mêmes odeurs, aux mêmes saveurs. Son corps d'emprunt mesurait probablement une vingtaine de centimètres de moins que son corps d'origine, et c'était étonnant de ne plus distinguer le haut du frigo, de se hausser sur la pointe des pieds pour prendre le café ou le sucre dans un placard de la cuisine, de ne plus être obligé de se pencher sur les éviers ou les lavabos. Les impressions qu'il avait ressenties dans le corps de Mati se trouvaient confirmées, accentuées, dans la chair de la fille noire. Les êtres humains vivaient tous sur la même terre, mais chacun se figurait que l'univers se résumait à ses seules perceptions, à son seul moi. De là, sans doute, la plupart des malentendus humains. Si les croyances et les certitudes dépendaient de la façon dont les sens appréhendaient le monde extérieur, comment se mettre à la place de l'autre ? On qualifie justement souvent votre science-fiction d'humaniste. Ouais. Et justement, est-ce que ce n'est pas dans ce lien qu'elle tisse entre l'imagination et l'empathie, puisque justement, vous travaillez le fait d'adopter le point de vue d'autrui. Et est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le rôle de la fiction ? Est-ce que permet l'imagination, le rôle du romancier aussi, c'est-à-dire d'un moment de permettre de construire une relation d'empathie entre un lecteur, un auteur, un personnage, et du coup, de contribuer comme ça à cette ouverture de l'esprit, l'ouverture des points de vue ? Oui, je pense que c'est même l'essence du roman, c'est-à-dire... Il est beaucoup plus facile, à mon avis, beaucoup plus intéressant de faire passer des idées ou des points de vue ou des invitations au changement par le roman, parce qu'il y a cet effet d'empathie avec le personnage qui fait qu'on va se mettre dans des peaux de personnages très différents. Parce que, comme je travaille souvent beaucoup de personnages en même temps dans un roman, le lecteur va passer de tour à tour d'un personnage sympathique à un personnage plus noir à un autre personnage et donc il va être obligé de changer en permanence son point de vue, et ça c'est intéressant parce que du coup juste par rapport à cette légitimité dont je parlais tout de suite, il perd toute légitimité parce qu'il est obligé de suivre la légitimité de quelqu'un d'autre, et je pense que c'est beaucoup, très intéressant ça, cet aspect empathique, c'est-à-dire si on réussit à faire en sorte que le lecteur s'intéresse au personnage et soit le personnage, alors il va être obligé de changer de point de vue en permanence. Et ça m'intéresse beaucoup, cet entraînement-là. Enfin, on entraîne le lecteur dans une autre vision des choses parce qu'on le met dans la peau de quelqu'un d'autre en permanence, quoi. Et probablement que dans Porteur d'âme, c'était une métaphore de l'auteur aussi, qu'il puisse glisser son âme dans n'importe quel personnage. Oui, il va être dans le personnage petit qui ne vaut pas l'eau du frigo, il va être aussi dans le personnage géant qui se cogne la tête aux poutres, il va être dans le personnage du gros qui a du mal à se mouvoir, ou du faible, du fort, du guerrier, là dans la fantaisie que j'ai faite, j'ai deux personnages masculins, l'un s'appelle Rennes qui est enchanteur de pierre, qui est quelqu'un qui doute en permanence de lui, qui se sent tout faible, qui est à la fois sur sa pratique, son art d'enchanter les pierres, et puis à un moment, on lui met une épée dans les mains, il ne sait pas quoi en faire, mais il est avec un guerrier qui, lui, s'en met une montagne de certitude et de force, mais qui a aussi une sensibilité incroyable. Enfin, tous ces personnages-là, c'est extraordinaire. Moi, en tant qu'auteur, j'apprends énormément sur l'humanité, parce que j'explore plein de facettes de l'humanité en permanence. Ça va de la méchanceté la plus noire à la bonté la plus pure, et l'intérêt pour moi en tant qu'auteur, c'est de ne formuler aucun jugement sur les personnages, c'est-à-dire je suis avec eux, quoi qu'ils fassent, quelle que soit leur violence, quelle que soit leur haine, quelle que soit leur petitesse ou leur bassesse, je suis avec eux, et je vis avec eux, et c'est ce qui donne un effet empathique. Vous parlez de science-fiction humaniste, je suis un humain,
jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que, bon, on découvrira des choses après, quand je serai mort dans mon analyse génétique. Mais je suis un humain qui parle à d'autres humains d'humanité. C'est pour ça que ça me semblerait totalement impossible de faire un bouquin sur une civilisation extraterrestre. Parce que déjà, j'utiliserais une langue, qui est le français pour moi en l'occurrence, qui véhicule de l'humanité, puisque c'est une langue fabriquée par les humains. Quand vous regardez un dictionnaire, vous voyez toute l'histoire humaine quasiment dans les mots. Et donc, il faudrait que j'invente comme le groupe Magma une langue spécifique qui s'appelle le cobayen, que personne ne comprendrait. Et ce serait logique dans la description d'un monde extraterrestre, où si je veux m'intéresser à un robot, je vais tout décoder en 0-1, 0-1 en mode binaire, ça va intéresser personne. Donc voilà, oui, je suis un humain qui parle à des humains de problèmes humains ou d'histoires humaines. Et donc cette empathie, elle est justement, c'est une manière de se rapprocher de l'autre. Et en même temps, comme vous le disiez, il y a aussi une très grande violence dans vos romans. Mais c'est rarement une violence individuelle. C'est souvent une violence liée à un système, ouais, portée par des idéologies, etc. Est-ce que vous vous posez la question du mal, finalement, dans vos romans? Alors... est-ce que je me pose la question du mal? J'essaie d'accepter le mal. Ce qui ne renvoie pas toujours à des choses sympathiques. Mais je pense qu'il faut affronter le mal. Et donc les personnages m'invitent à affronter le mal. Donc j'y vais. Parce que je pense qu'une partie des problèmes de l'humanité vient du fait qu'elle n'est pas capable de regarder ses monstres. Donc elle affronte des monstres, elle enfante des monstres malgré elle quasiment, parce que ce sont du coup les monstres qui la manipulent. Si on ne les regarde pas en face, on a tous une partie monstrueuse. Je ne sais pas pour vous, je ne veux pas me prononcer, mais moi j'ai une partie monstrueuse, je peux avoir une partie très violente aussi, qui peut se déclencher dans certaines circonstances. Et je me dis, par exemple, il y a eu cette histoire qui est racontée par Jean Tellet d'un homme en Périgord qui était supposé être ami des Prussiens et que des villageois ont lynché, non seulement ils l'ont lynché, mais ils l'ont fait cuire et ils l'ont mangé. Et voilà, nous sommes tous, l'humanité est capable de ça. J'ai aussi travaillé ce problème dans les femmes blanches, dans les dames blanches, pardon, où on est horrifié par que des enfants se fassent exploser dans les marchés pour tuer le plus de monde possible. Et je me suis dit, mais nous qui jugeons ce phénomène-là, est-ce que dans certaines circonstances qui seraient liées à la peur, par exemple l'apparition d'une forme de vie étrange qui capture des enfants, nous amènerait pas à sacrifier nos propres enfants, à faire exploser nos propres enfants? Voilà. Donc c'est une invitation à regarder le monstre en nous en permanence pour essayer non plus de le laisser grandir et nous manipuler, mais de le chevaucher, parce que c'est un peu l'histoire du dragon, vous savez. Le dragon, c'est une puissance énorme que si on dompte, peut nous emmener très très loin. Et j'ai l'impression que si on affronte ces monstres, comme Thésée dans le labyrinthe, non, le Minotaure dans le labyrinthe, c'est le monstre qu'il faut aller voir. Je pense que ça nous dit ça, cette histoire de Thésée, c'est descendre dans nos propres labyrinthes pour aller voir nos monstres, affronter nos monstres, presque aimer nos monstres, enfin, les accepter en tout cas. Et là, on a peut-être une chance de bénéficier de cette énergie que représente le monstre. Donc le mal, il est aussi indispensable, au moins pour les auteurs, parce que souvent, on reprend le héros mille visages de Campbell, un héros se met en branle quand le monde va mal, quand il se passe quelque chose de douloureux, de disharmonieux dans le monde. Si on commence un roman par « ils furent heureux, ils auront beaucoup d'enfants », ça va être difficile de faire une suite. Sauf si les enfants se droguent, ou les enfants vont se faire sauter dans les marchés, ou voilà. Là, ça redevient une histoire, mais on revient sur la notion de disharmonie. Je pense que les récits mythologiques, c'est celui qui rétablit l'harmonie, parce qu'au départ, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, le héros va être obligé d'affronter le mal, et le mal, ça peut être évidemment Charybde, Scylla, et Circé, et tous ces personnages-là, mais ce sont surtout des choses à l'intérieur de lui. J'ai l'impression que cette quête initiatique, elle est
où ces épreuves initiatiques sont des épreuves en lui-même, quoi. Donc, il faut affronter le mal. Le mal semble être un mal nécessaire, si je puis me permettre ça, qui nous permet de dépasser ça et d'avancer sur une voie dégagée des monstres. J'ai l'impression que si on ne regarde pas les monstres, ils sont comme si on mettait un couvercle dessus. Ce que font les religions. Les religions mettent des couvercles, des voiles dorées sur des monstruosités en disant « il ne faut pas faire ça ». Donc il y a un commandement, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Et on met ce couvercle, ce voile doré, et du coup les monstres grandissent à l'intérieur de soi. Et je veux dire, plus les sociétés sont cadenassées, on va parler de l'ère victorienne par exemple, et plus il y a des monstruosités qui se passent. Comme si ça lâchait un moment, les monstres avaient grandi et puis ils finissaient par nous emporter, quoi. Donc je pense qu'il faut les regarder avant qu'ils nous emportent. Et qu'on doit les chevaucher plutôt que les... Mais pour les chevaucher, il faut les dompter, il faut les regarder, quoi. Est-ce que cette idée de regarder en face, c'est aussi ce qui fait... Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle il y a cette dimension si crue aussi dans vos romans, ouais. Ce rapport au corps qui est très fort, aussi pour accepter l'ensemble des aspects de l'humanité. C'est exactement ça. Ouais. Je vais là où l'écriture m'entraîne. Elle m'entraîne dans mes labyrinthes. L'écriture, c'est mon fil d'Ariane. Elle me guide par-ci, par-là. Et là, elle me montre une scène, elle m'emmène dans une scène violente. Et il me semble que mon rôle, c'est de décrire ce qui se passe, non pas édulcorer parce que j'en aurais peur, mais de décrire exactement ce qui se passe. Ça va aussi bien pour le sexe, pour la violence, pour tout ça. Voilà, je traverse cette phase-là. J'essaie de le faire le mieux possible, c'est-à-dire d'être le moins... D'être le moins... De faire ça de façon sincère, quoi. Pas par goût de la violence, tout ça, mais parce qu'elle me semble importante, elle me semble indispensable au récit au moment où je le fais. Et donc, voilà, j'essaie de n'avoir aucun a priori là-dessus, de décrire exactement ce qui se passe en choisissant mes mots. Par exemple, les scènes de sexe, c'est épouvantable à écrire. Hein. C'est un truc épouvantable. Non. En même temps, c'est intéressant. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'écriture, parce que vous êtes guetté par plein de pièges qui vont de l'ordre de la pornographie, de l'anatomique, de la mièvrerie. Vous pouvez tomber dans 1000 pièges possibles et imaginables. Mais quand on doit les faire, par exemple, la scène d'Absalon, entre Absalon et Eloula, la première scène d'amour, qui est une scène clé, puisque c'est ce qui va permettre à Absalon de s'accepter en tant qu'homme et être humain. Je me voyais mal édulcorer cette scène, mais elle m'a posé 1000 tourments à écrire, parce que comment la rendre le mieux possible sans tomber dans une espèce de facilité littéraire. Mais c'est très instructif. Scène de violence, c'est pareil. Scène de combat, c'est compliqué. On triche toujours dans les scènes de combat, parce que vous parlez d'un héros qui dégaine son épée. Le temps qu'il dégaine son épée et que vous l'écriviez, il a déjà coupé 6 têtes. Hein. Ça va très vite. S'il attend que vous l'expliquiez pour le faire, il va certainement mourir très vite sur le champ de bataille. Donc on est obligé de jouer avec l'espace-temps, de tricher avec l'espace-temps en permanence pour donner un effet de réel. Et c'est ça qui est c'est assez fabuleux, parce que du coup, quand on démonte une scène, si on a bien fait son travail, le lecteur va être emporté sans se poser de questions. Si on a bien fait son travail, il va dire « mais c'est pas possible qu'il me dise, parce que normalement, il devrait s'être passé une minute quasiment, là, puis là, ça fait 10 minutes qu'il est sur le truc, il y a quelque chose qui va pas. Mais je n'édulcore rien, mais j'essaie de transcrire ça au mieux possible dans l'écriture. Et des fois, c'est douloureux, hein, des fois, c'est... Oh, je me dis « oh la vache !» Mais voilà, c'est comme les personnages qui meurent sans me prévenir. Ben, je décris ces scènes-là sans préjugés, juste parce qu'elles sont nécessaires au récit. Et justement, ce rapport au temps, donc, qui est différent évidemment dans le récit par rapport à un art visuel ou par rapport au spectacle vivant, je me demandais justement si vous avez envisagé aussi la question du théâtre, parce que notamment il y a quelques années, vous aviez présenté un projet théâtral aux Utopiales. Donc j'avais fait cette première expérience à Nantes, aux Utopiales, parce qu'on m'avait demandé de travailler sur une éventuelle pièce de théâtre de science-fiction, qui est très rare, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ça m'avait beaucoup intéressé, ça. Donc on a fait une demi-heure à peu près de scène, avec une troupe de Nantes,
Oui, ça m'avait énormément intéressé. Parce que ce jeu permanent qui dialogue était très, très passionnant à écrire. Quoi. Et donc, j'ai un autre projet de théâtre, mais voilà, c'est que je suis tellement pris par les romans que j'ai du mal à me dégager du temps pour pouvoir écrire. Mon idée, c'est d'avoir deux personnages, un homme et une femme, qui se rencontrent, comme une sorte d'amour banal, mais qui ont chacun un double, qui serait leur conscience. Et c'est des conflits permanents entre la conscience et le personnage dans la vie réelle. Quoi. La conscience dit, mais là, tu es en train de te planter, mais le gars, il va quand même, ou la fille, il va quand même se planter sans tenir compte. Et puis, les deux consciences qui s'engueulent, et puis, etc. Enfin, tout un jeu comme ça, comme si on avait un double permanent à côté de soi qui agissait à un autre niveau. Tout vous intéresse, et justement, vous avez aussi trouvé le temps cette année de peindre. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Quel est le rapport? Eh ben, ça m'a pris comme une envie brutale. Je me suis dit, il faut que je peigne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai certainement quelque chose à faire de couleur à ce moment-là. Et je me suis mis à peindre entre, disons, le mois d'avril 2016 et jusque fin août, septembre. Je me suis mis à peindre. J'ai fait 36 toiles. Je les ai comptées. Dans ces périodes-là, avec des horaires mais complètement fous, ça ne m'était jamais arrivé, quoi. C'est-à-dire, autant je ne peux pas écrire la nuit, autant je peux peindre la nuit, alors qu'il n'y a pas de lumière d'ailleurs, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Si je pouvais finir une toile à 3h du matin sans m'en rendre compte, puis me réveiller, ou d'autres jours me lever à 3h du matin pour me mettre à peindre. Enfin, j'étais complètement dans une autre bulle, ce qui ne m'a pas du tout avancé pour l'écriture, mais qui a été une expérience formidable, très libératrice sur plein de choses, quoi. J'avais besoin de ça, j'ai toujours aimé peindre, dessiner, tout ça. Bon, après, je n'ai pas forcément la technique pour le faire, mais de jouer avec les couleurs, d'étaler les couleurs, on oublie tout, quoi. Ça transcende le temps, mais complètement avec son pinceau, dans un petit espace comme ça, à peindre, à trouver la bonne teinte, et ça passe, et ça dure des heures et des heures, on corrige, on refait, surtout sur l'huile, hein. L'acrylique, c'est un peu plus difficile, mais sur l'huile, voilà... On retravaille ça, c'est de la pâte, c'est de la matière, on en a partout. C'est bon, voilà, c'est un rapport avec la matière complètement différent d'écriture qui est très dématérialisée, l'écriture. Alors que la peinture, l'écriture est dématérialisée, bien que ce soit de la matière, hein, c'est ce que je disais l'autre jour. Je pense que l'écriture, c'est la matérialisation de la pensée, donc c'est ce qui est un peu compliqué parce que la pensée, elle est d'une fluidité incroyable. Même chose avec la peinture, vous avez la vision d'un tableau et puis le réaliser, c'est une grosse galère d'un seul coup. On s'aperçoit qu'on a, pas forcément. La matière exige certaines choses, certaines connaissances, certaines étapes. Et pour moi, ça a été une expérience extraordinaire, quoi, qui était, je pense, liée à ce lieu. Je pense que c'est ce lieu qui m'a inspiré ça. Je me mettais dans le jardin, là, en plein été, avec 35 degrés ou 39 degrés, et j'étais bien. C'était une très belle expérience.